L'aire de réemploi de Gradignan est la première portée par Bordeaux Métropole. Une expérimentation mise en place au centre de recyclage de Gradignan. Objectif, sensibiliser les riverains à la seconde vie des objets et les aider à réduire leurs déchets. Alors là, par exemple, on est dans le coin où on a rassemblé tous les jouets. Donc c'est jouets tout âge, donc on a vraiment de tout, on a des DVD, on a des peluches, on a des jeux de société. Il y a énormément de choses qui sont en excellent état et qui peuvent encore faire plaisir aux enfants concrètement. L'aire de réemploi de Gradignan, c'est la première portée par Bordeaux Métropole. Elle s'inscrit dans la politique déchets, la nouvelle politique déchets qui vise à réduire et prévenir la production de déchets. Nous, l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que les objets qui peuvent avoir une deuxième vie, parce qu'ils sont en bon état, parce qu'ils fonctionnent, puissent être réemployés chez des gens qui en ont besoin. Depuis l'ouverture il y a un mois, c'est 2 tonnes d'objets déposés ici. En plus des livres, bibelots ou vaisselle, il est aussi possible de déposer des petits matériaux. Au total, c'est 1200 objets qui ont pu être récupérés. Nous, on est là sur les mêmes horaires que la déchetterie. C'est un endroit stratégique, comme ça on peut aussi intercepter les choses. C'est-à-dire qu'on voit les gens qui vont pour jeter les objets et nous on leur dit si vous le souhaitez, vous pouvez venir nous les amener à l'aire de réemploi. De plus en plus les gens, ils ont cette démarche de recyclage, de zéro déchet. Ils sont ravis de cette démarche-là, du côté un peu écologique, quoi. On essaie de jeter de moins en moins de choses. Un beau réflexe à acquérir donc pour les habitants afin de réduire leurs déchets mais aussi de faire des économies car ici tout est gratuit.